Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Depuis tout à l'heure avec Blouse, on est en labo de combat pour pêcher le poisson Midas. Et ça fait genre 2-3 heures. On avait commencé vers 13 heures, mais après on est allé en game. Donc on va dire peut-être 2 heures et demie que je le pêche moi. Et je l'ai enfin eu, vous le voyez, il est dans ma main. Hop. Donc voilà. Et je vais vous dire comment l'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous mentent. Donc on va dire la vérité. Déjà, pour l'avoir, du coup, il faut le pêcher à l'autorité. Et ceux qui me diront qu'on peut le pêcher n'importe où, bah c'est complètement faux. Même sur sa carte, regardez. On peut regarder sur la carte du poisson. Regardez, se trouve partout. Alors que Blouse, on l'a trouvé à l'autorité. On a fait toute la map pendant 2 heures. Toute la map. Là, on a relancé, on a fait à l'autorité, on l'a tous les deux eu. Et toutes les personnes que je vois qui le capturent, ils l'ont à l'autorité. Donc je pense que c'est l'autorité. J'ai mis le skin Midas, mais vous pouvez mettre n'importe quel skin parce que Blouse, il a mis Mystique et il l'a eu. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'ai le plus gros poisson en plus de tous mes amis, donc ça c'est stylé. Du coup, voilà, c'est à l'autorité, les gars, vous faites pas avoir. Et prenez une canne à pêche pro. Là, j'ai une canne à pêche normale, mais c'est pour faire le test quand je vais le manger. Mais je l'ai pêché avec une canne à pêche pro dans les coins de pêche. Donc voilà. Du coup, on va le manger et faire le test. Du coup, j'ai une AR qui va normalement se transformer en Scar légendaire. Mon pompe, ça va être un spaseuse légendaire. Le pistolet, normalement, soit il se transforme pas, soit il devient bleu. Et la canne à pêche, soit il se transforme pas, soit il devient bleu. Et après, quand je vais le manger, normalement, il y aura une arme aléatoire. D'abord, attendez, avant de le bouffer, on va le regarder. Oh, il a des tags et tout partout sur le corps. Genre, il y a des motifs. Ok. Il est trop stylé. Et d'ailleurs, les gars, j'ai pêché 10 poissons guerriers. Bref, on s'en fout. Attention. On le mange. Ok, déjà, il donne 40 PV. J'ai oublié de préciser, mais j'avais 0 shield et 0 PV. Il donne 40 de PV. Je sais pas s'il donne du shield aussi. Du coup, qu'est-ce qui a marché? Mon AR grise, elle s'est transformée en Scar légendaire. Donc ça c'est validé. Mon chasseur gris s'est transformé en Spaz 12 légendaire. Mon pistolet, il s'est pas transformé du tout. Parce que ils ont enlevé la custom violette et légendaire, en gros, sur le pistolet. Et la canne à pêche, elle s'est pas transformée parce que bah, il n'y a pas de variante légendaire. Et après, ils m'ont donné une arme aléatoire parce que il y a des gens, ils ont eu des Spaz 12. Bref, je crois que quand vous avez un trou dans votre inventaire, ça vous donne des armes aléatoires. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis du coup, je crois que c'est tout. Du coup, voilà l'autorité, juste là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Je sais même plus. Ouais, du coup, pour la carte aussi, je sais pas si on l'a ou pas. Je vais quitter pour regarder si je l'ai la carte. Bref. Je sais plus quoi dire. Parce que si la carte je l'ai pas, ça veut dire que pour le pêcher, il faut aller en vrai game. Il faut avoir un poigne ou solo à l'autorité et ça va être super chiant. Déjà, ok, je débloque un petit sac à dos, mais bon, ça on s'en fout. Alors, la carte, attention, est-ce que je l'ai? Parce que Blouse, apparemment, il a regardé, il l'avait pas. Ouais, je l'ai moi. Ah non, ok! Ok. C'est pas la carte pêcher le poisson Midas, c'est collection de pêche terminée. Quand vous avez pêché tous les poissons du jeu, vous avez la carte. Et vu que je les ai tous, bah j'ai la carte. Ok, donc c'est pour ça Blouse, il avait pas la carte. Je pensais que c'était pêcher le poisson Midas. Ok, en gros, si vous avez tous les poissons du jeu, vous avez la carte. Et du coup, pour le pêcher, les gars, je vous conseille d'aller dans le labo de combat. Les coins de pêche sont infinis, vous avez du build infini et tout. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur et ainsi de suite dans la boutique Fortnite. Ciao!